Bon, là, aujourd'hui, on est allé acheter des super bons steaks à la ferme Briley. Puis là, en ce moment, Fred, il est en train de faire quoi? Là, j'ai préparé des steaks, c'est qu'il faut toujours lui donner un peu de sel et un peu de poivre. Puis C'est regarde. Romain Romarin qui m'a dit ça. Ah, ok, c'est Romain Ouais, Marin c'est qui a Romain dit Romarin. ça. Regardez les beaux steaks, là. Attends, alors, les voitures, là. Super. Fait que là, je vais vous montrer le barbecue de Fred dans pas long. Passe. Bon, voici le barbecue de Fred. Ah ouais, le moment tant attendu. Ah, oh, qu'est-ce que t'as fait là? Des carottes? Des carottes de la ferme aux pleines saveurs. Ah, oh, c'est donc merveilleux. Bon. Oh, écoutez ça, le bruit. Regardez comment c'est beau. Mon Dieu, que ça va être bon! J'ai bien hâte de goûter à ça! Hey, si vous connaissez pas la ferme Briley, là, il faut que vous alliez voir cette ferme-là. Puis surtout rencontrer Brian. Et puis, mon Dieu, j'ai un blanc. Je crois que c'est Lynn, sa femme. Mais bon, c'est la ferme Briley. Et puis, eux, là, ils élèvent des bœufs nourris à l'herbe. Puis c'est, ben je sais pas encore, je vais y goûter là, mais je suis certaine que c'est succulent. Ça, je vais vous le dire tantôt. C'est le moment de vérité. Bon, vous voyez, on a pas de carottes. Je sais pas son où. Ah, ben oui, 5 minutes. Quand même, on a des patates, mais il faut d'autres légumes. Des bonnes carottes rouges. De la ferme aux pleines saveurs. Mais regardez le plat de résistance. Oh, j'ai hâte de goûter à ça. Brian, je suis sûr que c'est bon. 1, 2, 3. Excellent. Oh mon Dieu, il faut goûter ça, c'est vraiment bon. Hein, Fred? Oh oui, c'est très bon. C'est quoi le secret de mon steak? Le secret de ton steak, ben c'est local. Ouais, c'est le steak de Brian, le meilleur. Oui, il est vraiment bon. Très bon. Excellent. Saignant comme on aime ça. Ok, là, pour vrai de vrai, là, si vous avez jamais goûté un steak de la ferme Briley, je vous donne un défi cette semaine ou la semaine prochaine. Il faut se déplacer, aller à la ferme Briley, acheter un steak puis y goûter parce que c'est débilementalement bon. Ça goûte le ciel, c'est merveilleux. Si vous avez jamais goûté un steak de la ferme Briley, ben vous avez jamais goûté un vrai steak. Bon ben, là, je suis en train de digérer mon super bon souper. Ouais, c'était excellent, le steak de la ferme Briley. Eux autres, là, il n'y a pas d'excuse, vous devez y aller. C'est collé sur l'autoroute 50 à la sortie de Turceau. Une belle grosse ferme rouge, là. Fait que vous devez aller voir Brian et Lynn, là. C'est obligatoire. Lynn ou Lise. Ah, que je suis poche, je m'excuse de. En tout cas, vous devez aller à la ferme Briley. En plus de ça, ben dans notre souper, il y avait les carottes rouges de la ferme aux pleines saveurs. C'était sucré, excellent, bio, débilementalement bon. Puis il y avait aussi des frites. Ben ça, c'est un gros sac de frites qu'on a acheté chez Serge Perrier, à Ripon. Fait que, en tout cas, le meilleur de tout ça, c'est le local, comme Fred dit. Fait que, continuez. On a plein de beaux produits ici. Il n'y a pas de raison qu'on achète ailleurs.